Dans la salle de conférence de la Direction régionale des douanes, se sont réunis les membres de l'Observatoire pour la célérité des opérations douanières du Burkina Faso au code BF le mercredi 7 juin 2023. Cette réunion hebdomadaire vise à recevoir les plaintes et dénonciations des cas de blocage administratif injustifié liés aux opérations douanières et à la circulation des marchandises. Une occasion aussi de les traiter au cas par cas. On a un numéro vert qui est en marche où tout opérateur économique qui se sent lésé et tout opérateur économique qui travaille de manière licite peut saisir le code. Et c'est 24H. À tout moment, vous saisissez, il y a une secrétaire qui prend votre plainte et tous les mercredis, on en débat et on trouve des solutions. Mais au-delà, au lieu d'attendre tous les mercredis, si le problème peut se régler au niveau douanier, et ça se fait immédiatement. Le code BF est composé en nombre paritaire de 20 membres représentant l'administration publique et le secteur privé. Ces membres entendent travailler d'arrache-pied afin que cette structure ne soit pas une de trop. Dans les affaires Tamise Monnaie, le temps c'est de l'argent, il arrive que, ne serait-ce que par ignorance, certains agents de l'administration douanière, les vérificateurs, posent des actes qu'ils croient tout à fait justes, mais qui peuvent ne pas s'inscrire dans la justesse et avec pour conséquence de ralentir les opérations. Et la préoccupation ici, c'est d'aller dans la célérité et bien. Il ne s'agit pas d'aller seulement vite, il faut aller vite et bien. Et le code donc aura pour vocation de créer une sorte de transparence et surtout d'harmoniser un peu le traitement. L'Observatoire pour la célérité des opérations douanières du Burkina Faso au code BF est un organe qui vise l'amélioration du climat des affaires au Burkina Faso à travers un management et un service de qualité au sein de l'administration des douanes et un gain de temps et d'argent au niveau des opérateurs économiques en luttant contre les tracasseries et les abus dans l'accomplissement des formalités.